Et salut tout le monde, c'est BurryDays, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Shadow of the Tomb Raider. C'est la huitième vidéo et on continue après avoir fait un tombeau. Encore un hôtel Maya et puis... Et puis quoi? Un vieux campement, en ruine. On devrait continuer. Ok. Donc voilà, après avoir fait le tombeau, on pourrait donc maintenant avancer vers l'émission principale. Alors c'est quoi ça? Ah ça c'est les nouveaux trucs qu'on a gagné. Ok, percheur de legs, donc le truc qu'on a vu lors de la précédente vidéo. Augmente donc votre vitesse d'escalade et œil de l'aigle, chercheur. Les plantes de perception permettent de détecter les animaux et les ressources naturelles dans l'environnement. Ça c'est pas mal. Mais on a que 2 points, donc on va encore un petit peu attendre quand même. Hein. Pas besoin de se presser, ça sert à rien. Ok. Mais bouge. Jonah, t'abuses? Je crois qu'on peut partir par là. Ouais, je crois aussi. Jonah, donne-moi un coup de main. Ouais. À 3, 2, 1. Oh! Prends ça, enfoiré. Ah, enfoiré. Fuir. Comment ça, fuir? Possible. Ouais, genre, il m'a pas touché, là. C'est une blague. Il est où? Et il me perturbe. Moi, je vais te shooter, moi, tu vois. Je crois que j'ai peur de toi, quoi. Coucou, mon pote. Alors, qu'est-ce que t'en penses, ça? Foiré, voilà. Il est où? Comment ça, non? Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que t'en penses, ça, enfoiré? Ah, tu sais pas quoi faire là. Ça, j'en étais sûr, ça. Je m'en doutais qu'il allait me choper, ça, enfoiré. Putain, mais je dois faire quoi, bordel? Je dois le tuer ou comment ça se passe là? Ok, je botte le cul maintenant, c'est ça? Y a pas de non, je botte le cul, bordel. Il est où? Quoi? C'est où, bordel?
je te dis, t'es fini. Bordel. Foiré, va. Foiré. Je savais que je vais te buter. Ça va aller. Je veux bien que tu m'aides. Ça va aller, bon oui, ça va. J'ai l'habitude de me faire attaquer par les jaguars. Tout va bien. Ton dos est salement amoché. Je vais préparer le campement. Voilà, j'ai un petit lag. Manger ou se faire manger, pas de la jungle. Laisse-moi jeter un coup d'œil. C'est pas joli. Avec tout ce qu'on traverse en ce moment, je pense à mon frère. J'ai toujours essayé de le protéger. De mon père. De lui-même. Mais je l'ai perdu. T'as fait ce que t'as pu. Si j'avais été au bon endroit, au bon moment, il serait encore là. Si j'avais eu des yeux derrière la tête. Tu peux pas protéger tout le monde. Merci. Mes parents, ils me manquent tellement. J'ai rêvé de ma mère il n'y a pas longtemps. Ah oui. C'était tellement réaliste. Quand j'étais petite, mon père n'arrêtait pas de me cacher des choses. Des secrets. Sur elle, notamment. Pourquoi il faisait ça ? Après la mort de ma mère, il a cherché à m'épargner. Ça m'a jamais empêché d'être curieuse, bien sûr. Ouais. J'ai encore tellement de questions. Ton père a créé autant de mystères qu'il en a résolu. Dominguez a dit qu'il voulait utiliser la boîte d'argent d'Ischel pour refaire le monde. Si toi, tu avais ce pouvoir, tu en ferais quoi? Je paniquerais déjà. Tu reviendrais pas à l'époque où ton frère était vivant pour le retrouver? Et perdre tout le reste. Non, non. J'aime bien ce monde, c'est... Il n'est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. Thank you.
prétendre au trésor, l'aventurière Lara Croft doit triompher du roi, atteindre la tombe interdite et résoudre le mystère de la Reine Blanche. Mais la route sera semée d'embûches. L'aventurière ne doit pas traîner une seconde. J'ai presque fini. Non. Trop bien. Les murailles du château l'appellent tentatrice. C'est super. Serait-ce le manoir des Croft? Peut-être, hein. Qui c'est? Incroyable. Normalement, oui. Croft pénètre dans une chambre funéraire inviolée depuis plus de 1000 ans. Merde. Ok. Des tombes récentes. Le roi n'est pas tendre avec les intrus. Tenez, pof, tiens. Ok. La fouille révélera bientôt tous les secrets du site. Elle découvre d'étranges hiéroglyphes. Peut-être un indice pour la tombe interdite. Elle s'y croyait déjà à son âge. Ah, je peux pas aller. Hop là, dans le mille. Ah d'accord, vous aimez, ils servaient à quelque chose ces balles. Oh, je m'éclate, petit moment de détente. Ah bah 2 secondes. Ah, ça va marcher, pourquoi? Ah, parce qu'il y en a 4, ok, d'accord. Ouais, ça m'a marché non plus. Les héroïnes croisent d'étranges créatures. Elles sont peut-être sanguinaires. Dans le mille. La merde alors. Ah, ok. D'une précision mortelle, la plupart du temps. C'est quoi ça? Ah, c'est un lapin, ok. C'est quoi ça? Notre aventurière pourrait viser entre les yeux d'une mouche à 100 pas. Bah, elle est l'autre cible. J'ai vu des trucs là-haut. Là. Ah, c'est pas des cibles en fait. Bon, c'est pas grave. Allez, on va essayer de monter. Par là. Merde, je fais tomber le truc.
s'envole au-dessus d'un lac de lave en fusion. On dirait qu'il y a quelque chose là-haut, dans le nid du corbeau. Toi, c'est là où je dois aller ou comment ça se passe? Non, pas forcément. Comment je fais pour aller là-haut? I don't know. Je dois faire mieux que ça. Ouais, faut que je touche ou quoi? Ah d'accord. L'épreuve de vérité. Notre héroïne devra viser dans le mille pour faire descendre ses paniers. Hein? Eh, je veux bien, mais ma boule est là-haut. Oh putain. Ah, je vais tout faire. Hein. Tout ce qui est possible de faire, je vais le faire. Hein. Donc ça risque de prendre du temps, peut-être. Ouais, bah, 2 secondes. Possible, ça. Ah, voilà. C'est quand on a fait de la randonnée à elle-même chat. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs, si ce n'est l'odeur des épices au bazar. Mes parents ont l'air tellement heureux. Ok. Bon, ensuite. Ah mais il était là le toboggan, ok. Je fais du toboggan moi, ben oui. Non mais oh. Wouhou. Le sol se dérobe, Lara plonge dans les ténèbres. Ouais, pourquoi pas. Ah ça c'est d'où je viens, ok. J'aurais bien voulu mettre l'autre dans le mille. Eh oui, regardez-moi ça. Les portes du château sont bien gardées. C'est pour ça que notre héroïne évite la porte d'entrée. Hmm? Que disait Père déjà? Les œillets sont apparus là où les larmes de la Vierge Marie sont tombées. Bon, je suis désolé, mais j'ai pas fait mon 4 sur 4 dans le 1000. Ça me perturbe. Perturbe cette histoire. Il serait où le 4ème? Ah, il y a un truc là-haut. Ah, mais il est là, le 4ème, putain. On dirait une des pièces de ce jeu auquel jouaient mes parents. Mais pourquoi serait-elle ici, sur le terrain de jeu? Ah, il y a des indices.
dirait une des pièces de ce jeu auquel jouaient mes parents. Examiner pour trouver des informations cachées. Où serait-elle ici ? Sur le terrain de jeu. Il y a un A gravé dessous. A comme Amelia, ma mère. D'accord, mais là aussi je croyais qu'il y avait un truc, je non? Je crois que c'est quand on a fait de la randonnée à elle-même chat. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs, si ce n'est l'odeur des épices au bazar. Mes parents ont l'air tellement... Bah là, je sais pas quoi... je sais pas. Examiner, d'accord, mais je vois rien. Pas qu'est-ce qu'il veut que j'examine, mais... rien. Que dalle. Ah. C'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'elle est morte si jeune? Ah, d'accord. Notre héroïne a mis deux. Ok. Oh, je l'ai eu là, arrête. Hop là. Et voilà. Merci pour l'XP, ça fait plaisir. Maintenant on peut avancer. Ah, les fleurs. Je vais le choper lui. Maintenant, en route pour la tombe interdite. Notre héroïne ne doit pas faire de bruit pour ne pas alerter le roi. Peu importe. Je vois. Je vois. Mais quel est le rapport avec Lara? Elle est dans sa chambre. Elle fait ses devoirs. Elle n'a pas beaucoup de temps. La garde royale ne s'attendra pas à ce que Croft escalade le château. Énorme. La tour du château est plus haute qu'attendu. Niqué. Notre héroïne continue son ascension pour trouver une entrée. Notre héroïne remarque une autre entrée. Allez, dégagez! C'est génial pour se suicider ça. Mortel en avançant, mais elle fait le vide dans son esprit. Oh. Elle est chaud au cul. Elle reprend l'équilibre et sa progression. Direction la tombe interdite. Les parapets sont endommagés.
Elle va devoir se faufiler. Ah merde, y a rien du tout en fait. Elle est si proche qu'elle peut presque la toucher. Mais un champ de force invisible l'empêche d'avancer. Elle doit trouver une autre entrée. Waouh. Notre intrépide aventurière a atteint le sommet. Eh ben... Enfin, elle trouve un moyen d'entrer un peu plus bas. Elle doit rester sur ses gardes. Mais dans quoi je m'embarque encore ? Croft rit de son culot. Elle est tout prêt maintenant. J'ai le chat qu'elle a, laisse tomber. Moi je visite, hein. Bah oui. Manoir de Croft. J'avais pas vu le petit manoir Croft tout en haut à droite. Elle pénètre dans la tombe interdite. De nuit, la chauve-souris a volé la reine par 30 nord et 90 est. De sa plume, elle décrit son cœur, et de la lumière jaillit son amour libéré. La reine blanche se sent peut-être seule. Les coordonnées ont peut-être un rapport avec le globe. Cette illustration énigmatique, retrouvée dans un mausolée maudit et désert, pourrait être ce dont notre vaillante aventurière a besoin pour enfin retrouver le trésor perdu de la Reine Blanche. Elle a réussi à déchiffrer d'anciens textes et trouver plusieurs indices. Des coordonnées, une chauve-souris géante et plusieurs pièces de jeu alignées. L'intrépide Lara n'a plus qu'à comprendre ce que tout cela signifie. Les coordonnées ont peut-être un rapport avec le globe. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ou pas. Bah alors, je vais juste essayer voir si j'arrive. Oh, mais ça a l'air compliqué. 30 degrés. Il avait pas dit 30 degrés ou un truc comme ça, non? Ah mais il avait dit 30 degrés combien encore, je sais plus. Attendez. 30 degrés nord, 90 est. D'accord. Oh, on va essayer de le finir quand même.
Pourquoi j'arrive pas à le tourner? Ah oui, il faut faire comme ça, c'est vrai. Ok, 30 degrés nord. Et 90 est. Oh! Et de la lumière jaillit son amour libéré. Ça a marché! Mais trop facile, en fait. En fait, on va pas s'arrêter là, c'était trop facile. Il y a peut-être des trucs à lire Louis par contre. Louis XIV, le roi Soleil, épousa Marie-Thérèse, mettant un terme à une longue période de guerre entre la France et l'Espagne. Pauvre reine, Marie-Thérèse est morte d'une longue agonie, suite à laquelle le roi déclara « C'est bien la première fois qu'elle me cause du souci. » La pauvre bête devait à peine y voir derrière ce chanfrein. Une barde de la moitié du XIVe siècle. Germanique, je dirais. Une barde pareille, ça devait être lourd pour ces pauvres chevaux. Une citation de Chaucer. Quoi de mieux que la sagesse? La femme. Quoi de mieux qu'une femme pleine de bonté? Rien. La tête du roi David. Le berger est devenu roi. Quel destin! La coupe de Saint-Jean. L'apôtre avait reçu un calice de vin empoisonné. Mais il a béni la coupe et le poison s'est transformé en serpent. Il a donc pu boire le vin sans problème. Ça passe, ce cours d'histoire. C'est un très vieux jeu. Deux boucliers et une couronne blanche. La reine blanche, peut-être? Un rouleau byzantin. La justice est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est de l'empereur Justinien. Un artefact égyptien. Une boîte du mauvais œil. Son contenu était censé aider et nourrir les gens dans l'au-delà. Mmh. Intéressant. Wow. Croft a rejoint la mezzanine interdite. Elle va devoir se méfier. Bon, là, on va s'arrêter là. Au bout du suspense. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouvera avec Mini Lara Croft lors de la prochaine vidéo. Donc sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.